Salam alaikum. Salam alaikum, Bahri Nader Belha Larabia. Walakin Saïba Alia. Ravi Ndir présentation d'Ali Bel Farantia. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir une fois de plus associé à ce colloque qui est maintenant devenu une tradition de la faculté de Fès. Alors, après les savants exposés que nous avons entendus, je vais essayer de vous détendre un peu avec quelque chose d'un petit peu plus anecdotique et dont le sujet m'est venu en lisant justement un ouvrage qui a été cité par un certain nombre des autres orateurs, qui était la vie quotidienne à Fès de Roger Le Tourneau, qui a été enseignant ici pendant plus d'une dizaine d'années. Ce personnage m'a paru intéressant d'abord parce que, dans une certaine mesure, il a été associé à une épidémie de choléra importante qui a eu lieu au Maroc à la fin du 19e siècle, et en même temps parce qu'il représente une personnalité assez atypique dans la période qui a précédé le protectorat au Maroc. Le plan que je voudrais suivre dans cet exposé, c'est d'abord vous donner quelques sources bibliographiques, mais je les exposerai après dans le texte qui sera publié. Évoquer très rapidement, bien que je n'en ai pas la compétence, le contexte historique du Maroc dans la seconde moitié du 19e siècle. Et puis vous présenter ce fameux docteur Fernand Linares dont je voudrais vous parler. Ensuite, j'évoquerai précisément son travail à l'occasion de l'épidémie de choléra qui a ravagé le Maroc en 1867 et en 1868. Enfin, je terminerai par une évocation de la fin de la carrière du docteur Linares au Maroc, fin qui se termine à la veille du protectorat. Bon, je n'insisterai pas sur la bibliographie. Il existe sur ce médecin pas mal de témoignages, bien que beaucoup de choses qu'il a écrites, en particulier sa correspondance, n'ont pas été publiées encore. On a deux travaux scientifiques publiés. D'une part, une thèse qui est assez originale et dont je ne parlerai pas tellement, qui est sur les mécanismes de la mort par le froid extérieur. En fait, il a étudié la mort des soldats de Napoléon pendant la conquête de Russie, ce qui est assez paradoxal par rapport après à sa carrière au Maroc. Et surtout, alors, qu'un ouvrage dont je vous parlerai davantage, qui est l'épidémie de choléra au Maroc de 1878. Enfin, il y a un autre écrit qui a été plus tardif, qu'il a publié dans le bulletin de l'Institut d'hygiène du Maroc, et qui est le récit d'un voyage qu'il a fait au Tafilalet, à l'époque où il était conseiller du sultan Moulay Hassan. Un mot sur le contexte historique. Comme je vous le disais, je suis mal placé pour l'évoquer, mais enfin, il faut quand même rappeler que dans la période du 19e siècle qui va précéder 1908, le Maroc est le jeu des influences des puissances étrangères. D'abord la France. Vous savez que la prise d'Alger en 1830 va modifier complètement la situation politique au Maghreb. Ensuite, l'insurrection d'Abdelkader contre les Français qui va essayer de fédérer l'Algérie. En 1844-45, Abdelkader est soutenu par le Maroc, ce qui entraîne d'ailleurs un bombardement de Tanger et d'Essaouira, puis le traité de Tanger, puis la convention frontalière de la Lamarnia, où la France impose un peu une limite frontalière au Maroc.
Mais les relations ne sont pas meilleures avec l'Angleterre, car en 1856, l'Angleterre impose au Maroc un traité commercial et juridictionnel très avantageux pour lui. Elles ne sont pas meilleures avec l'Espagne, qui en 1860 impose au Maroc le traité de Ceuta. Et en plus, par ailleurs, on a le pouvoir non seulement occulte, mais réel des consuls, qui conduit à ce moment-là le gouvernement chérifien à instaurer une représentation diplomatique du Maghzen à Tanger. Enfin, tout ça va finalement aboutir aux conférences de Tanger et de Madrid, où malheureusement le pouvoir marocain, là aussi, va être obligé de confirmer le fameux droit de protection imposé par les puissances étrangères aux négociants, aux puissances économiques qui, à ce moment-là, agissent au Maroc. Donc on est un Maroc qui est face aux impérialismes, selon l'expression de Charles-André Julien dans l'ouvrage fondamental qu'il a consacré au Maroc à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, quels sont les souverains chérifiens? Je ne parlerai pas du premier, mais il serait très intéressant certainement à étudier, parce que ce Mohamed Ben Abderrahman est un scientifique spécialiste d'Euclide, et c'est le premier qui fait traduire Newton au Maroc. En fait, celui qui va nous intéresser surtout, c'est de 1873 à 1894, Hassan Ier. Ce personnage est un personnage de forte personnalité qui a la volonté, en dépit de tout ce contexte que je viens d'exposer, de préserver au maximum l'intégrité territoriale de son pays, en dépit du voisinage de l'Algérie, et de résister aux puissances étrangères autant que faire qu'il se peut, mais il doit faire appel aux Occidentaux pour moderniser son armée. Et puis viendra le règne du souverain Moulay Abdelaziz à partir de 1894, à la mort de Hassan Ier. Et vous savez que jusqu'en 1900, l'influence de Hassan Ier va se poursuivre grâce à la régence du vizir Ben Ahmed. Puis, à partir de ce moment-là, le sultan va gouverner lui-même, tenter de réformer le pays, mais dans un contexte international de plus en plus tendu, avec les affaires d'Oujda, de Tanger, la conférence d'Algésiras, et vous savez comment ça se termine, tristement, en 1908, où il est détrôné par son frère et où est instauré le protectorat. Voilà donc le contexte un peu international et national. Ça, c'est une belle image de Hassan Ier, qui montre la personnalité de ce grand personnage. Et voilà donc le contexte dans lequel on va avoir un médecin, pardon, c'est très sensible ce truc, un médecin aquitain qui va se mettre au service du Maroc. Voilà, terrible ça. Comment va-t-on faire? Zut. Oh là là, quelle sensibilité. Alors Fernand Linares. Fernand Linares, il est un peu de ma région. Il est né en Dordogne, à Limoges, d'une famille de médecins. Il fait ses études de médecine à Toulouse. Et en 1870, vous savez que la France, à ce moment-là, est en guerre, il est pris par la conscription et il fait un an de service militaire comme infirmier à l'hôpital de Rouen. Et c'est là où il va découvrir le Maghreb et où il apprend la langue arabe. 1872, il termine son service militaire, il est libéré, il fait ses études de médecine à Toulouse et il décide de se consacrer à une carrière de médecin militaire. En 1873, il est reçu au concours du service de santé militaire et c'est là où il va faire sa fameuse thèse sur les mécanismes de la mort par le froid extérieur pendant la campagne de Russie. Il fait un an de stage au Val-de-Grâce, il est nommé aide-major de seconde classe et il demande en 1876 son affectation à Oran et il est nommé à Géryville, actuellement El Bayad en Algérie, en demandant le service du bureau arabe et ensuite en 1877 à l'hôpital de Rouen. Le bureau arabe, c'est quelque chose d'assez une institution assez particulière qui aura d'ailleurs après son équivalence au Maroc et qui est un service qui est très intégré dans la vie marocaine. Les mauvaises langues disent qu'il est là pour ce bureau arabe existe un peu pour l'espionnage,
pas tout à fait complètement non plus, et on a une photo effectivement de ce bureau arabe où on voit à la fois des officiers français et des citoyens marocains. Alors, en 77, Linares souhaite quitter l'Algérie. Il va poser sa candidature, alors comme médecin, à une structure très particulière que l'on connaît assez mal, qui est la mission militaire française destinée au Maroc. Cette mission militaire française, elle prend sa naissance au moment où le sultan Hassan Ier invité à des manœuvres à Oujda, s'intéresse aux capacités d'artillerie de l'armée française et demande que des officiers artilleurs viennent former l'artillerie marocaine. Et il se trouve que Linares arrive dans cette mission militaire à Oujda, au moment où débute une épidémie de choléra. Et il va d'emblée s'impliquer dans le traitement des patients et étudier l'épidémiologie de la maladie. En 1882, à la suite de différents aléas, la mission française est transférée à Rabat, et c'est là où Linares est contacté par le palais pour donner une consultation à des proches du sultan et plus tard pour soigner le sultan lui-même. Il acquiert la confiance du sultan et il va devenir son médecin personnel et même plus son familier jusqu'à la mort de ce dernier en 1894. Et on peut dire que pendant 10 ans, Linares va faire partie de l'entourage immédiat du sultan, Hassan Ier, qui l'emmène dans toutes ses expéditions sur le territoire de l'Empire et va le consulter sur les principales questions de politique intérieure et extérieure. Et c'est un de ces voyages qui sera publié en 1932, où il accompagne dans le Tafilalet le sultan. De voilà, à cette époque-là, toute moustache dressée dans l'entourage du sultan. On a sur la vie à ce moment-là de Linares un témoignage qui est assez amusant, qui est un témoignage d'un écrivain. Vous savez peut-être qu'il existe à ce moment-là, à cette époque, un capitaine de frégate, Julien Viaud, qui est un écrivain à succès en France sous le nom de Pierre Loti, qui va écrire une multitude d'ouvrages. Et Pierre Loti est contacté par le nouveau ministre de France à Tanger pour l'accompagner, car il doit remettre ses lettres de créance au sultan. Il doit depuis Tanger se rendre à Fès, ville qui est alors inaccessible aux étrangers, et il pense que cette mission va intéresser son confrère écrivain. De ce voyage qui va durer environ 2 mois, Loti va rapporter effectivement un nouveau livre intitulé « Au Maroc » qui sera publié par l'auteur en 1890. Il arrive avec la mission diplomatique à Fès et, chose étonnante, il va faire connaissance de Linares. Linares est en effet présent à ce moment-là, durant le séjour du sultan dans son palais de Fès, et Pierre Loti, dans son livre, nous donne quelques détails sur le statut très particulier dont bénéficie à ce moment-là le médecin français. Il écrit « Voici qu'il y a à Fès une mission française permanente, 3 officiers, un médecin militaire, avec un colonel anglais, un officier italien qui dirige la fabrique d'armes, la fameuse porte d'El Makina. Il compose toute la colonie européenne de la ville. Ils sont sous la protection du sultan. Ils ne sont point inquiétés, peuvent en observant quelques précautions sortir à peu près librement dans les rues. Par ordre impérial, les caïds, chefs de quartier, ont obligé les habitants qui rechignaient un peu à leur louer chacun une maison. Or, le docteur L, il ne dit pas son nom, se trouve en ce moment en avoir 2. À la suite de je ne sais quelles circonstances, il m'en a offert une et c'est grâce à lui que je vais vivre à Fès dans des conditions de liberté très exceptionnelles. Cette maison se trouve en effet au cœur de Fès El Bali, la vieille ville, et Loti va s'y installer après avoir reçu l'autorisation de l'ambassadeur de France et rapporter ainsi un témoignage très intéressant sur la vie de ses habitants durant son séjour à la marocaine, ainsi qu'il l'a souhaité.
Il raconte dans son livre « J'ai pour voisin presque porte-à-porte le docteur Linares, nous dînons ensemble chaque soir, je vais à pied jusque chez lui, marchant les jambes bien écartées, mais avec mes babouches, touchant les murs des deux côtés de la rue pour éviter le ruisseau noir du milieu de la rue, à sa porte, qui est aussi basse que sombre que la mienne, je me frappe généralement le pont, le front en la littérature. » Et voilà donc, d'un côté Pierre Loti et de l'autre, le major général Linares dans sa tenue de conseiller du sultan. Et voici Loti, très heureux, dans sa maison marocaine. Voilà, à Rochefort. Alors, venons-en maintenant au sujet, au cœur même de l'exposé, qui est l'épidémie de choléra de 1878. On peut dire que durant le 19e siècle, 5 épidémies de choléra vont se succéder au Maroc. 1834, 1856, 1868, 1878, épidémie qui d'ailleurs va se compléter, va survenir dans le courant d'une famine qui est importante. L'épidémie de 1878, en effet, s'est passée s'étendre sur 4 mois, de début août jusqu'à décembre. Elle survient à une année où les récoltes de printemps et d'été ont fait complètement défaut et où, de ce fait, les populations ont eu particulièrement à souffrir de la famine. Alors, ce qui nous paraît intéressant et qui nous a paru intéressant de présenter ici, c'est l'attitude de Linares. Car Linares va réagir, et ceci est assez nouveau pour l'époque, avec une double approche face à cette épidémie. D'une part, il va réagir en clinicien. Il va observer les cas qui surviennent à Oujda, où il est actuellement en poste, début septembre, et il va tenter d'appliquer une thérapeutique aussi adaptée que possible à l'époque, à partir des moyens dont on dispose. Mais ce qui nous paraît aussi plus important en tant que chercheur en santé publique, c'est de voir qu'il va essayer de reconstituer la progression de l'épidémie et d'identifier les principaux facteurs de risque. Et ces observations vont faire l'objet d'une publication, un mémoire détaillé qu'il va publier l'année qui suit l'épidémie de choléra. Ce travail nous apparaît constituer une des premières études scientifiques systématiques avec une approche de santé publique d'une maladie infectieuse épidémique au Maroc. Voilà le plan du mémoire. Le plan du mémoire est intéressant. Dans un premier chapitre, il va définir la nature de l'épidémie, son origine, les foyers d'endémicité, et il décrit particulièrement la misère et la famine. Dans un deuxième chapitre, il nous présente une vue d'ensemble de l'épidémie. Ensuite, un certain nombre de chapitres vont étudier la progression et la situation du choléra dans les différentes régions atteintes. Enfin, un chapitre 7 va étudier l'état sanitaire des ports marocains pendant l'épidémie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va proposer quelques recommandations en prophylaxie, là aussi avec les connaissances de l'époque. D'abord, l'état clinique, l'approche clinique. L'approche clinique, il la décrit quand il la voit à Oujda. C'est en effet là où il vient d'arriver et il va la décrire chez des militaires marocains dans lequel, qui sont en poste là-bas. Et il va décrire les trois formes les plus caractéristiques de la maladie à l'époque et sa description des symptômes est précise et l'évolution bien décrite. Il décrit d'abord le cas d'un militaire qui présente une forme foudroyante. Vomissements, selles séreuses et fréquentes, crampes, agilité et mort en 24 heures après le début des symptômes. Impossible pratiquement de rien faire. Le deuxième cas, lui, le conduit à avoir quelque espoir. C'est le cas d'un deuxième militaire qui va présenter une forme prolongée avec une phase de rémission. Et Linares va essayer un traitement physique par friction, médicamenteux, avec du vin sucré opiacé, du thé froid, de la quinine, il a quelque espoir, les choses s'atténuent, malheureusement au sixième jour, reprise brutale des symptômes et décès du patient. Enfin, le troisième cas est intéressant parce que c'est un cas contact. C'est un des trois militaires qui a essayé d'aider à traiter ses collègues, il a contracté la maladie, et il va présenter des symptômes et un traitement à peu près identique.
Heureusement, d'une certaine manière, à partir du troisième jour, l'INARES espère que les choses s'améliorent et l'amélioration va persister pendant quelques jours. Et puis, malheureusement, au 16e jour, reprise brutale de la maladie avec hémorragie intestinale, absence de réactivité au traitement, décès. Et voilà donc décrit la situation clinique du choléra à cette époque-là. Alors, l'INARES va s'interroger sous une autre perspective en tant que médecin épidémiologique. Il va d'abord s'interroger sur les causes de la maladie. Il va noter qu'il y a des foyers d'endémicité chronique qui existent notamment à Meknès, où l'épidémie a apparu, et ceci depuis la dernière épidémie de 1867. Il va noter l'insalubrité qui règne alors au Maroc dans les populations pauvres des villes. Et puis, il va souligner le contexte socio-économique, la situation agricole du pays. Un épisode de sécheresse qui a entraîné un défaut de récolte de printemps et d'été sur tout le versant atlantique, avec pour conséquence une grave famine dans les villes de Fès et de Meknès. Le deuxième aspect intéressant de l'approche épidémiologique, c'est son étude de la progression de l'épidémie. Il va d'une manière très précise définir comment l'épidémie va progresser. Elle va débuter à Meknès au mois d'août en 78, puis se propager successivement vers l'est, le nord et l'ouest du pays. En août-septembre, il note qu'elle s'étend rapidement vers l'est. De Fès, elle passe de Meknès, elle va directement à Fès, pas très loin, puis elle descend vers le Tafilalet, car les gens fuient la région de Fès et de Meknès, puis elle s'en va vers Taza, à l'est, et c'est là où elle va atteindre la garnison de Haloun Sidi Melouk, les fameux militaires que l'on retrouvera à Oujda, et puis l'épidémie va arriver à Oujda et s'éteindre, et finalement les trois cas mortels qui seront traités par l'INARES seront les seuls cas qui existeront à Oujda. Mais à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, l'épidémie va reprendre et progresser vers le nord. Et elle va monter vers Tanger. À la fin du mois d'août, elle s'en va vers la côte. Et elle part vers Rabat, Dar el Beida, Casablanca, et elle atteint les ports. Et puis, au mois d'octobre et de novembre, et nous allons le voir en termes de mortalité, elle va descendre vers le sud-ouest, et elle va descendre en particulier vers Marrakech, d'où elle rayonnera vers Mogador, Safie, Mazagan et Azemmour. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce mémoire, il y a une carte. Et c'est, à ma connaissance, c'est la première carte épidémiologique que l'on a de la progression d'une épidémie. Il va tracer par des pointillés cette progression que je vous ai résumée sur la plaque précédente. On a vraiment ici un dessin très précis de la progression d'une épidémie à partir du foyer initial de Fès et de Meknès. Enfin, il va conclure par une évaluation de la mortalité et de la morbidité à partir d'informations qu'il va constater lui-même. Au point de la mortalité la plus importante, elle se situe au point de départ. 1000 victimes à Meknès, sans doute autour de 1200 à Fès, et puis évidemment un peu plus aussi vers le Tafilalet, où sont partis les fuyards. Dans l'ouest, on n'aura que quelques cas sporadiques, sauf à Casablanca, où la population est pauvre. Et là, il évalue à 8 à 10 décès par jour. Safi, quelques cas sporadiques. Mais le plus grave, ça sera Marrakech. Car Marrakech, tout le monde est parti vers le sud, et en plus, la position de la population rurale à Marrakech est très pauvre. On a une population qui est dans un état de très grande famine, et ils considèrent qu'à ce moment-là, on aura sans doute autour de 20 000 décès à Marrakech. Et puis l'épidémie de typhus, va se terminer par une épidémie de typhus abdominal. Voilà donc l'approche épidémiologique de la maladie qui va se terminer dans son mémoire par des recommandations de prophylaxie.
Ces recommandations, quelles sont-elles? D'abord, lutter contre la misère et l'insalubrité. Et je pense que les épidémiologistes et les gens de santé publique d'aujourd'hui pourraient dire que là aussi, c'est une priorité en santé publique. La deuxième chose, c'est créer des cordons sanitaires, dit-il, pour isoler les zones encore indemnes, des zones atteintes. Installer des postes sanitaires et des lazarettes. Enfin, dit-il, instituer une quarantaine pour protéger les pays voisins. Alors, terminons par la fin du séjour au Maroc du docteur Linares. À la mort du sultan Moulay Hassan, Linares est en congé en France. Il va rentrer au Maroc au mois de septembre, porteur d'une lettre du président de la République pour le jeune sultan Moulay Abdelaziz, et il est le premier fonctionnaire européen officiellement reçu. Il va continuer son rôle d'agent diplomatique, mais dans un contexte de plus en plus tendu. Il bénéficie de la confiance du vizir Ben Ahmed, mais ça n'est plus tout à fait la même chose que du temps de Hassan Ier. En 1897, il va accompagner en France une ambassade marocaine et restera à la mission militaire française jusqu'en 1901. À partir de 1900, Linares constate qu'il n'a plus beaucoup d'influence. Il écrit des abusés à un de ses correspondants, l'autorité chérifienne est en déclin. Moulay Abdelaziz passe son temps à se divertir et les quelques personnes qui l'entourent laissent la barque chérifienne dériver à volo. Fatigué, il demande un congé, mais l'année suivante, le ministre des Affaires étrangères, Ded Kassé, lui demande de rester encore au Maroc et de continuer son activité pour le Quai d'Orsay. En 1902, le délégué de la France, ministre allé à Tanger, René Saint-René Talandier, voit d'un mauvais œil ce personnage qui tourne autour du Maghzen. Le chef de la mission française lui garde rancune d'avoir accompagné seul Moulay Hassan dans son voyage au Tafilalette. Le ministère de la guerre ne digère pas que son ancien médecin militaire lui échappe et corresponde directement avec le Quai d'Orsay. Au mois de mai 1902, Linares en tire les conclusions qui sont inéluctables. Il comprend qu'il doit quitter le Maroc pour rentrer définitivement en France. Il décide de se retirer à Limeuil, sa ville natale. 6 ans plus tard, le Maroc tombera sous le régime du protectorat. Le voilà qui s'en va. Alors à Limeuil, son village natal, Linares va faire l'acquisition d'une grande maison, le château, qui domine le confluent de la Dordogne et de la Vézère. Il va l'aménager en demeure marocaine, un peu comme Loti, comme on disait tout à l'heure, à la Rochefort. Il va l'entourer de merveilleux jardins, myriades méditerranéens qui évoquent les jardins qu'il a connus au Maroc. Il va y vivre, dans sa famille, entouré de souvenirs, recevant ses amis, aimant évoquer avec ses visiteurs la part importante de sa vie qu'il a consacrée à son pays d'adoption. Il s'implique dans la vie locale, devient maire de sa commune, conseiller général de son canton. En 1914, bien qu'âgé de 64 ans, il décide de reprendre du service. Il est nommé médecin divisionnaire sur le front de l'Isère en 1915, puis rayé des cadres du fait de son âge en 1917. Il est officier de la Légion d'honneur depuis de 23 ans. Il décède à Limeuil le 13 mars 1938. Et voilà la maison du souvenir, la maison qu'il avait éditée, qu'il avait fait édifier à Limeuil, où il essayait de représenter un tsar marocain à la Dordognaise. Cette maison a été achetée par la commune de Limeuil actuellement, et avec les jardins merveilleux qu'il avait faits, qui ont été reconstitués. Et voilà la vue que le docteur Linares avait sur la Dordogne, où il avait peut-être, où il imaginait encore les perspectives qu'il avait quand il était sur la côte marocaine ou au bord de quelques ouèdes dans les montagnes du Maroc. En conclusion, je dirais que le cas du docteur Linares nous a paru intéressant à évoquer dans le cadre de ce colloque, d'abord par l'approche novatrice d'un problème majeur de santé publique au XIXe siècle. Il allie en effet l'observation clinique, qui est classique à l'époque, avec une approche de type épidémiologique qui est exceptionnelle à cette époque et qui nous donne d'ailleurs des informations, comme vous l'avez vu, très intéressantes sur la progression d'une épidémie et sur l'évocation d'une l'évaluation de la mortalité. Et puis, il m'a paru original de présenter l'itinéraire personnel d'un homme qui, étranger à un pays et dans un contexte politique et diplomatique particulièrement difficile,
fit le choix de s'intégrer à la vie de ce pays et ainsi obtint la confiance de ceux qui avaient la charge de sa destinée. Je vous remercie. Shukran yakoun ala inti bayi.